Je t'aime, Juliana. Que le Seigneur demeure avec toi, durant cet accouchement. Même si l'enfant devrait venir au monde par césarienne, cela m'importe peu. L'essentiel, c'est que tu sois en forme, et le bébé aussi. D'accord, Miguel. Merci pour ces mots doux et tendres qui me réjouit énormément le cœur. Car je croyais que tu allais commencer à paniquer, depuis que le docteur nous avait dit qu'il était fort probable que j'accoucherais par césarienne. Pas du tout, ma femme. J'ai maintenant une foi solide qui ne vacille point. Je mets maintenant toute ma confiance en Dieu. D'accord, Miguel, tu es vraiment un ange. Merci vraiment d'être à mes côtés et d'être un appui pour moi. Tu le mérites amplement, ma femme. Je me battrai toujours pour toi et je te serai toujours fidèle jusqu'à la fin de mes jours. Que le bon Dieu te protège et protège aussi le bébé. Amen, mon homme. Je t'aime tellement, Miguel. Moi aussi, je t'aime tellement, Juliana. Je pense que le bébé de cette patiente fera l'affaire. Ce nourrisson coûtera certainement cher sur le dark market. Il faut que j'arrive à choper un client pour le vendre rapidement. Avec cette transaction, je vais pouvoir finir la construction de mon château. Mon plan est très simple. Donner un peu de somnifère à ma patiente, et la faire accoucher rapidement par césarienne. Une fois cela fait, et quand sa famille viendra voir le bébé dans la journée, je viendrai discrètement prendre le bébé pour l'emmener chez mon ami, le soir, avant de rentrer chez moi. C'est sûr que ça marchera tranquillement, comme une lettre à la poste. Je vais encore me faire beaucoup de worry. Seigneur, je te confie ma femme, qui doit accoucher par césarienne. Veille sur elle, et sur notre bébé. Que tout se passe bien, que notre bébé naisse en bonne santé, et que ma femme se rétablisse rapidement. Je te demande de guider les mains des médecins, pour que l'opération se déroule sans problème. Envoie tes anges, pour accompagner ma femme, et notre bébé, pour les protéger et les entourer de ta paix. Comme il est écrit dans Psaume 91, 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Que ta protection soit sur eux, Seigneur. Merci pour ta protection et pour ton amour infini. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Oh Seigneur, on venait de m'annoncer qu'il fallait que je rejoigne le bloc opératoire. Tu sais combien de fois cela a été difficile pour moi de tomber enceinte de ce bébé. Entre tes mains, je remets ma vie, et celui de mon bébé. Protège ce garçon que j'ai actuellement dans mon sein. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Allez, on y va, Juliana? Oui, on y va. Je vais rapidement vous anesthésier, et appeler mes autres collègues afin qu'on puisse vous faire le travail. D'accord, docteur Sally. Enfin, le bébé est né, je prendrai mon Gédéon ce soir avant de rentrer à la maison. Merci Seigneur de m'avoir déchargé. Merci Seigneur de m'avoir gardé en vie au cours de cette opération. Ton serviteur Gédéon est bien arrivé dans ce monde, et je suis tellement contente. Je te bénis du fait que ma césarienne s'était bien passée. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Je commence à avoir un petit peu sommeil. J'irai tranquillement me reposer à côté de mon bébé Gédéon. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car il y avait à libérer ma femme. Apparemment, mon bébé Gédéon se porte à merveille, ainsi que ma femme. La césarienne s'était bien déroulée. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce merveilleux travail que tu as effectué dans la vie de ma femme. Que ton nom soit béni d'éternité, en éternité jusqu'au siècle des siècles. Amen. Bon, il faut que j'aille les voir.
L'heure est venue maintenant, pour que je parte avec ton bébé ma cocotte. À ton réveil, tu ne trouveras plus ton fameux Gédéon, à tes côtés. Ça va chauffer dans quelques heures. Allez, c'est parti, je m'en vais. Super, ça dort bien ici. Allez, on y va mon bout de chou. Maintenant, tu as une nouvelle mère, Gédéon. Je vais bien m'occuper de toi, je te le rassure. Allez, c'est parti, direction dans ma voiture. Mais qu'est-ce qui se passe? L'ascenseur ne veut pas arriver ou quoi? Super mon Gédéon, tu es trop sage. Je t'aime beaucoup. On dirait qu'il allait commencer à pleuvoir. Oups. Ils ont coupé l'électricité. Comment vais-je sortir maintenant de cet ascenseur? Oh. Je suis cuit. Mais il est passé où le bébé depuis tout à l'heure? Je ne sais pas. Car depuis mon réveil, je ne l'ai pas encore vu. Ce n'est pas normal qu'il vienne prendre le bébé, comme cela dans ton sommeil, sans rien te dire. Je trouve cela un peu louche. J'irai me renseigner auprès des médecins tout de suite. D'accord. Je croyais que j'allais trouver mon bébé auprès de vous. Non, il n'est pas avec moi. Je suis quand même surpris du fait que votre bébé est sorti de la chambre, sans que personne ne le sache. Exactement, moi aussi, je suis très surpris. Du coup, comment allons-nous faire pour trouver notre bébé? Attendez, je vais rapidement appeler ma collègue qui venait de débaucher pour lui demander cela. D'accord, ça marche. Le numéro de ma collègue ne marche pas. J'espère bien que ce bébé n'a pas disparu de notre établissement. J'irai voir mes autres collègues, pour leur demander cela. Je ne sais plus quoi faire. Que diront les gens quand ils me verront avec ce bébé, coincé dans l'ascenseur? On n'a toujours pas retrouvé le bébé. Quoi? Mais la même chose ne va pas se passer deux fois dans cet établissement? Qui est celui qui vole les bébés ici? Je pense que Sally pourrait répondre à ces questions. Car c'est pendant qu'elle travaillait que le bébé a disparu. Oui, tu as totalement raison. Il faut que tu essayes de la rappeler alors. D'accord. Ô Seigneur, nous savons que tu ne permettras jamais que nous connaissions la honte. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui ne ment jamais. Celui en qui notre âme se réfugie. Je sais qu'avant la fin de cette journée qu'on retrouvera notre bébé. Nous avons totalement confiance en toi. Sois béni d'éternité en éternité jusqu'au siècle des siècles. Amen. Je suis en train d'entendre un bruit depuis ici. On dirait que ce bruit venait de l'ascenseur. Je m'en vais voir tout de suite ce qui se passe dans notre ascenseur. On dirait qu'il y avait quelqu'un dedans. Mais qui se trouve coincé dans l'ascenseur? C'est moi Rebecca, s'il te plaît, viens me secourir. Ah! C'est Sally? Je comprends maintenant pourquoi ton téléphone ne marchait pas. Je m'en vais rapidement chercher des secours pour qu'ils viennent te secourir. D'accord. Incroyable mais vrai. Mais que cherche-t-il ce bébé, avec mon collègue Sally dans l'ascenseur de sortie? Du coup, si je comprends bien, c'est toi qui vole nos bébés ici. Non, pas du tout collègue. Dis-moi sincèrement, que cherche-t-il ce bébé dans cet ascenseur avec toi, à une heure pareille? Mais non, sa mère était au courant. C'est une urgence. Sa mère a demandé que je l'emmène pour des examens supplémentaires, car il n'arrivait pas à bien allaiter. C'est à moi que tu racontes tous ces ragots?
Quelle analyse supplémentaire fait-on à une heure pareille? Tu voulais juste partir à la maison avec un bébé d'autrui, et la justice divine t'a rattrapé. Croyais-tu que tu allais t'en sortir comme cela? Mais non, pas du tout. Je ne peux jamais voler un bébé d'autrui. Oh. Je vois très bien dans ton jeu. Donne-moi ce bébé immédiatement, pour qu'il soit retourné à sa mère. Le service de sécurité viendra s'occuper de toi pour la suite. Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui, avec un cœur plein de gratitude et de reconnaissance. Merci de nous avoir protégés, et d'avoir veillé sur notre précieux enfant, dans cette épreuve. Seigneur, tu es notre refuge et notre force. Dans notre détresse, nous avons trouvé en toi un soutien inébranlable. Merci pour ta présence constante et ta main protectrice, qui a empêché le mal de triompher. Nous te louons pour ton intervention divine. Merci pour le courage et la vigilance du docteur Rebecca et de tout le personnel médical. Par le dévouement, tu as manifesté ta justice et ton amour. Seigneur, continue de bénir notre famille. Donne-nous la sagesse, la force et la foi pour surmonter toutes les épreuves à venir. Nous te confions notre enfant, sachant qu'il est sous ta protection divine. Merci, Seigneur, pour ce miracle. Merci pour ta justice, ta miséricorde et ton amour infini. Que ton nom soit glorifié d'éternité en éternité, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Rendons infiniment gloire à Dieu d'avoir retrouvé notre bébé. Exactement, ma femme. Rendons toute la gloire à son saint nom. Voilà où se trouve désormais ta place. Heureusement que nos caméras ont dévoilé ta vraie nature. Plus jamais encore, tu travailleras avec nous. C'est terminé maintenant. Les policiers viendront te chercher tout à l'heure. Oh. Pardon, agent, je ne vais plus refaire cela. Tu diras le reste aux policiers. Allez, ciao. Dieu merci, que nos caméras ont tout filmé. Heureusement qu'elle a été vite démasquée. Et oui, Rebecca, c'est vraiment inhumain, d'agir de la sorte. Comment peux-tu voler un nourrisson, à sa mère? Elle est vraiment spéciale, notre collègue Sally. Bien évidemment, collègue. Elle est très spéciale. Voilà un peu comment s'achève cette histoire. La dérobeuse d'enfants s'est finalement retrouvée derrière les barreaux. Heureusement que Dieu a mis un stop à ses agissements. Chers frères et sœurs en Christ, la leçon à tirer de cette histoire est l'importance de rester attentif et vigilant, en particulier dans des environnements sensibles comme les hôpitaux, où la sécurité des patients doit être une priorité. Ne laissons jamais une mère qui vient d'accoucher, seule, avec son bébé, dans de tels lieux. Veillons et prions pour nos familles, afin que l'ennemi ne trouve aucune opportunité pour les attaquer. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager, à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André. Annonce spéciale pour tous les abonnés de la chaîne. Vous cherchez un moyen simple et pratique d'accéder à tous les contenus exclusifs des Ateliers d'André? Ne cherchez plus. Je suis ravi de vous présenter notre tout nouveau site internet, conçu spécialement pour vous. Sur notre site, vous trouverez une mine d'or de ressources éducatives, des tutoriels, des conseils pratiques et bien plus encore, le tout soigneusement classé pour votre commodité. Plus besoin de fouiller à travers des tonnes de vidéos sur la chaîne, nous avons organisé tout cela pour vous sur notre site internet. C'est simple, rapide et facile à utiliser. Rejoignez-nous dès aujourd'hui sur lesateliersd'André.com et explorez un monde de connaissances et d'apprentissage passionnant. Cliquez sur le lien dans la description pour découvrir le site dès maintenant.
Ne manquez pas cette opportunité.